Bienvenue dans Terre et Progrès, le magazine des filières agricoles produit par le FIRCA. Grand format consacré à la cérémonie de lancement officiel du projet de relance de la recherche cotonnière. Mais avant, l'essentiel de l'actualité des filières d'AgroNews. Créée le 10 octobre 2011, l'interprofession porcine du Côte d'Ivoire, Interporci, a tenu sa première assemblée générale ordinaire le jeudi 20 juin dernier. L'objectif de cette rencontre est d'établir le bilan des actions menées au cours de l'exercice 2012 et d'adopter les nouvelles orientations pour l'exercice 2013 dans l'optique du développement de la filière porcine. Il ressort du bilan de l'année 2012 qu'après avoir installé son secrétariat exécutif le 19 janvier, l'Interporci a réussi la mise en place d'une cellule technique chargée de la génétique et de l'amélioration du cheptel, conformément aux recommandations de la réunion du conseil d'administration. Le renforcement des capacités des membres de l'Interporci a également été effectif à travers l'organisation du rencontre d'échange entre les acteurs de la filière, avec trois grandes structures françaises, membres de l'Association pour le développement des échanges internationaux de produits et techniques agroalimentaires ADEPTA. Un séminaire de formation sur le management en élevage porcin a été également organisé à leur profit. Quant à la promotion des produits porcins, elle s'est caractérisée par la participation au Salon ivoirien de l'alimentation et de l'art ménager, SIAAM, et à la réalisation d'une émission radiodiffusée sur la radio La Voix de l'Espérance. L'AGO a également noté que dans le cadre de sa relance, une étude sur la redynamisation de la filière porcine, cofinancée par le FIRCA Il était porci, a été réalisée sous l'autorité du ministère des Ressources animales et halieutiques, MIRA. Initiée du 18 au 20 février 2013, cette étude s'inscrivait dans le cadre du contrat de désendettement et de développement C2D de l'Agence française de développement AFD. À l'issue de cette AGO, le plan d'action annuel 2013 a été présenté aux participants. Rappelons que l'Interporci constitue, pour les acteurs de la filière porcine, une plateforme de concertation en vue d'offrir à la Côte d'Ivoire de la viande de porc.